Cap, la merveille. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, bonne année. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année? Déjà, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, prospérité, beaucoup d'argent aussi. On dit pas non, hein. Et beaucoup de santé aussi. J'espère que tout va bien aller et que cette année va être meilleure que l'année dernière, pardon. Voilà. Donc, je voulais commencer l'année par une vidéo qui parle de mes soins pour l'hiver. J'ai décidé d'utiliser des produits à base de beurre de karité pour la peau, pour cet hiver, en fait, pour bien réhydrater ma peau parce que l'été, elle a un petit peu souffert. Donc voilà, j'ai acheté sur internet des produits Vaseline, de la marque Vaseline, et des produits Palmer's. J'espère que vous allez bien voir. Je ne sais pas si la lumière elle est très bonne. Alors déjà, dans les produits Vaseline, j'ai acheté une crème pour le corps. Voilà, c'est celle-là. 250 ml, donc je pense que ça va suffire pour l'hiver, hein. Voilà, alors c'est comme ça, ça se présente comme ça. Voilà. Ça c'est juste la crème pour le corps en fait. Elle sent super bon, je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Elle est comme ça à l'intérieur, un peu beige. Un peu beige, voilà. Et elle sent super bon, attention Lily. Un peu beige, voilà. Donc voilà, Vaseline, ça c'est la crème pour le corps. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de l'huile. Alors moi, j'utilise spécialement pour des massages, le soir, après la douche, après le bain. Voilà, je la mets bien sur ma peau, sur mes jambes surtout, qui sont très sèches. Et j'adore l'odeur. Ça sent super bon. Ouh là là, attention. Ça sent super bon. Voilà, attendez, je vais vous montrer parce que j'ai Lily qui est là à côté de moi et qui fait n'importe quoi avec tous mes produits. Viens là. Voilà. Coucou. Coucou. Mets ça dans la bouche. Voilà, comme ça. Alors, j'ai... Donc, c'est ça pour le corps. Pour le corps. Voilà. Voilà. Et moi, je la passe le soir après la douche. Et en tout cas, elles sont super bonnes, j'adore. C'est de l'huile, ça peut s'utiliser pour les massages. C'est très bien pour les massages. Donc voilà, ensuite j'ai quoi? J'ai en Vaseline aussi, une autre crème pour le corps. Voilà. Je pense que ça se voit bien. Cacao radiant. Donc, c'est aussi une crème pour le corps. Ça hydrate super bien. Ça, c'est vraiment en journée, je la mets celle-là. Et ça tient vraiment toute la journée. On sent bien que le corps... En fait, c'est pas gras. C'est très doux, en fait. C'est pas gras, ça colle pas sur les mains. Donc, c'est super bon. En plus, l'odeur, vraiment, c'est très bon. Donc, voilà. Attends. Mets-toi là. Voilà. Tiens, joue avec ça. Alors, ensuite, j'ai acheté dans la gamme Palmer's, j'ai acheté cette crème-là. Alors, en général, elle est utilisée pour les vergetures, après une grossesse ou des trucs comme ça. Ou alors, juste après l'été, après le bronzage, ça donne super bien sur les peaux bronzées. Alors, celle-là, c'est vraiment... J'ai pas encore commencé à l'utiliser parce qu'elle sent vraiment très fort, mais pas fort bon en fait, mais ça sent super fort et ça reste vraiment toute la journée. Donc même si on met du parfum en fait, ça reste quand même. Donc c'est un petit peu pour le soir. Non, tiens, je vais jouer avec ça, tiens. Donc voilà, ça là c'est la Palmer's et c'est super bien pour les petites taches qui ne veulent pas partir parce que ça élimine aussi les taches, les cicatrices. Et voilà, mais ça c'est à la longue, hein. Donc il faut l'utiliser au moins 3 mois
pour que ça parte. Donc, 3 mois peut-être après une grossesse ou un truc comme ça, enfin, juste après la grossesse, on la met et on l'utilise au moins pendant 3-4 mois pour que ça commence à s'estomper. Ça ne peut pas enlever tout, mais ça extompe un peu. Donc, on tasse voir moins, en fait, ça se confond sur la peau, on va dire ça. Ça se confond sur la peau. Alors, ensuite, j'ai acheté pour la nuit la crème de nuit Palmer's aussi. Voilà, pour le visage. J'espère que ça se voit. En fait, ils disent que c'est un anti-age, mais bon, franchement, c'est pas vraiment... c'est très doux, en fait. C'est très doux, c'est peut-être anti-age, mais moi, c'est pas pour ça que je l'utilise. J'utilise surtout pour réhydrater ma peau le soir. Souvent, je sens dans la journée comment ça tire parce que j'ai la peau très sèche, en fait. Donc, comment ça... Pourquoi ça... enfin, pourquoi... Bleu, je sens que ma peau elle tire dans la journée et du coup le soir quand je lave avec mon produit pour le démaquillant, je sens que ça continue à tirer, donc j'applique ça. Je fais pas tous les soirs, deux trois fois maxi dans la semaine je la mets plutôt et voilà, ça marche très très bien. Le matin j'ai la peau toute douce et tout, c'est super bien. Je mets aussi sur le cou derrière. Donc, c'est super, super bien pour la nuit. Le matin, vraiment, quand j'étale mon fond de teint, j'ai même pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, vraiment, je mets juste un peu. Et vraiment, le fond de teint, il s'étale super bien parce que la peau, elle est super lisse. Donc, voilà, j'ai vraiment du mal à faire ma vidéo parce que... Y a Lily, tu t'en es mis partout. Tiens, joue avec ça, là. Voilà. Alors, ça... Cette bouteille, c'est un produit spécial qui vient de chez moi, qui vient du Cameroun. En fait, c'est de l'huile de palme. C'est ma mère qui l'a faite, mais c'est vraiment de l'huile de palme pure. Donc, c'est-à-dire, elle a pris les noix de palme, elle a mis au feu, elle a attendu que ça noircisse et que ça rende de l'huile. Donc, ça vient déjà dans, elle m'a mis ça dans une petite bouteille de top, en fait. Donc la bouteille, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment de l'huile de palme pure. C'est pas raffiné parce que l'huile de palme raffinée, elle est blanche, elle est blanchâtre. Elle est blanchâtre plutôt. Et ça, c'est vraiment de l'huile de palme pure. Je vais m'en servir. En fait, ça sent vraiment... c'est horrible. je vais m'en servir pour le corps. Mais vraiment, non. Mais vraiment le soir, quand je sens que j'ai vraiment la peau qui tire, parce que moi j'ai la peau super sèche. Et ça s'utilise aussi pour les cheveux. Alors moi c'était vraiment pour les cheveux que je la voulais. Ça rend les cheveux doux, soyeux. Vraiment avant de passer le fer à lisser le matin pour un peu pour se coiffer, je la mets juste au niveau des racines, derrière, devant. Et là vraiment le cheveu, il est tout doux, il est brillant. Même après un shampoing, vous mettez ça, c'est vraiment c'est très très bien. Donc malheureusement, je ne pense pas qu'on l'a trouvé ici, puisque c'est ma mère qui l'a. Ma mère l'a fait pour moi, donc voilà. C'est tout, je pense que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à vous présenter, donc voilà. Je vous montrerai un petit peu ce que ça fait sur les cheveux dans une vidéo. Et puis voilà, bon bah je vous dirai un petit peu, les produits je les ai achetés, donc je ne les ai pas vraiment encore testés, ça fait juste quelques jours. Donc d'ici un mois je vous dirai ce que ça fait, les changements que je vois, et puis voilà. Et puis voilà, donc j'ai Lily qui m'a bousillé tous mes produits. Du Cap, la merveille, Traveling Love. Dadi Kimberni, moi na ma Véro Mobunda, na ma Jacques Maïla de Mol, Eric Kaloumé. Bolingo non amoni, comme il est tout bisama, Ezala ta Goliath, na benga ta fille, bitumba boy.